Pourquoi est-ce que Freya t'a craché au visage? Non. Parle-nous de Baldur. Il prétend que rien ne peut le blesser. Oui, Baldur est invulnérable à toutes les menaces, qu'elles soient physiques ou magiques. Les fanfaronnades d'un dieu, tout le monde a un point faible. Sauf lui, j'en ai peur. Baldur est invulnérable à toutes les menaces, qu'elles soient physiques ou magiques. Tu viens de le dire, Mjolnir. Ah oui. Quelle est la source de son pouvoir? Eh bien, dans mon souvenir, ça impliquait... un sentinelle. Mjolnir? Mon cerveau n'est pas encore tout à fait revenu à la vie. Laissez-lui un petit moment pour finir de se réveiller. J'espère qu'il n'est pas cassé. Mjolnir, on est sur le lac. Parfait. Amarre-nous près du pont. Mimir, tu m'as jamais dit pourquoi Fayette t'avait craché au visage. Eh bien, elle me reproche d'être en grande partie responsable de sa condition actuelle, et elle n'a pas complètement tort. Assez, plus d'histoire, pas à pied. On se tête. Comment parle-t-on au serpent? Il y a une corne sur la plateforme, au milieu du pont. Emmène-moi là-bas. Enfin, la corne! Bien, et maintenant approche ma bouche de la corne. Odin a fait construire cette statue en l'honneur de Thor, sachant à quel point le serpent monde tient ce gros abruti en horreur. Il devait en avoir marre de le contempler. Mais... c'est pas douloureux? Thor et le serpent monde ont un passif un peu mouvementé. Enfin, un avenir. Il faut croire que le voir à chaque fois qu'il se levait était encore plus pénible que l'idée d'avaler une statue de pierre. Tu veux que je lui demande? Non. Tout ce qui nous intéresse, c'est Jötunheim. Très bien, souhaitez-moi bonne chance. Se souvient de moi. La eu... Oh non, c'est pas ça. Makuna untunko. Ah, oula. Ekono tono vuno. Il comprend ta douleur. Il va t'aider. Étrange. Qu'y a-t-il? Rien de bien inquiétant. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'assure qu'on prend la bonne direction. Écoutez-moi bien. Il faut deux choses pour pénétrer sur la terre des géants. D'abord, nous devons apprendre la rune qui ouvre le passage vers Jötunheim. Ensuite, nous devons graver cette rune dans la porte spéciale. Celle sur le pic où on t'a rencontré? Exactement. Sauf que les géants, dans leur grande sagesse, ont fait en sorte qu'il faille un outil spécial. Seule la pointe d'un burin magique peut ouvrir la porte. Par chance, je sais où il se trouve et ce n'est pas loin. Il a eu l'air furieux pendant un instant. Ah ça, il a cru que j'avais dit que vous étiez amis avec Odin. Pardonnez-moi, c'est la première fois que je parle de la langue ancestrale, sobre. Hé, regardez! Le niveau de l'eau a encore baissé. On distingue mieux les tours des royaumes et les statues. Je vois même de nouveaux endroits à explorer sur le rivage. Où se trouve le burin? Trouvez-moi un bateau et je vous y emmènerai. Ça y est, je peux les lire. Mais c'est un nom. R. Wow, le nom l'a allumé. C'est le nom d'une Valkyrie. C'est très curieux. Le bateau, on pourra soit aller chercher ce burin spécial, soit partir explorer les environs. Les deux me vont, à toi de décider. Ces cochons, je les déteste. Le garçon a besoin d'aide. Frère, le garçon. Vous avez trouvé quelque chose dans la réserve de Fafnir, comme une pierre à aiguiser? Autre chose? Voyons voir. Oh, ça me changera les idées. Et qu'est-ce que je peux faire? Fallait autre chose? Bien. Est-ce qu'il y avait autre chose à dire? Êtes-vous allé dans la réserve de Fafnir? Viens voir ici. Hé, hey, une autre carte au trésor. Où se trouve le burin? Continue d'aller vers les statues des rameurs et ensuite passe entre elles. Elle m'a jamais dit pourquoi Fayette avait craché au visage. Eh bien, elle me reproche d'être en grande partie responsable de sa condition actuelle, et elle n'a pas complètement tort. Ou je peux te raconter cette histoire plus tard. Gullveig. Vous qui marchez parmi les vivants, ma bien-aimée Gullveig m'appelle. Elle aspire au repos. Mais sa dépouille est incomplète. Je vous en prie, reconstituez-la. Tu veux qu'on récupère ses os? C'est dégoûtant. La magie séistre de Gullveig n'a pas de limite. Elle peut vous réunir avec ceux que vous avez perdus. Vraiment? Comment? Atreus. Je sens ton chagrin, mon enfant. Mais n'aie crainte, sa magie est assez puissante pour créer des ponts entre la vie et la mort. Du moins, temporairement. Atreus, Nous partons. Ils ont pris 3 des eaux de Gullveig et les ont disséminées autour du lac. Ah, parfait. Le burin spécial est juste devant, derrière cette porte. Essaie de te soigner. Peut-être rechercher ces eaux. Pourquoi? Tu l'as pas entendu? On pourrait parler à mère. Si on regarde bien... Regarde tant que tu veux, Atreus. Je ne me laisserai pas distraire par cette quête futile. Ce burin qu'on cherche, qu'est-ce que c'est? Je suis content que tu me le demandes. Laissez-moi vous conter une histoire. Autrefois, vivait un géant du nom de Thamur. C'était un géant immense. Mais malgré sa très grande taille, c'était le meilleur tailleur de pierre que le monde ait jamais connu. Le fier Thamur espérait un jour transmettre son vaste savoir à son fils. Mais le jeune Rímthur rêvait de devenir un guerrier. Le père avait peut-être trop de peur. Il ne fut pas assez. Toujours est-il qu'une dispute éclata entre eux et dégénéra, et le tailleur de pierre, surmené, blam, frappa son fils. Rímthur s'enfuit dans la nuit. Empli de honte et de remords, Thamur courut pour rattraper son fils, mais dans son tourment, il se retrouva vite seul et perdu dans Midgard. Malheureusement, il rencontra la seule personne qu'il valait mieux ne pas croiser seul la nuit, si loin de chez soi. Thor. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tu vas voir. Thor l'a tué. Oh non, il est tombé sur un village. Oui, en tombant, Thamur a écrabouillé un charmant petit hameau qui vénérait le dieu Van, Njord. Thor s'est toujours vanté de l'avoir fait exprès, mais la vérité, c'est que ce soifard a juste eu un coup de chance. C'est une créature dangereuse. On va s'en occuper à deux. On cherche un burin. Ça pointe en tout cas, oui. Un très très grand burin. Oh, bien joué, petit. Merci. C'est son idée qu'il arrivait aux survivants. Ah, Thamur était un géant de glace. Quand il est mort, son dernier souffle a tout gelé. Elle est bien verrouillée. Atreus, avec moi! C'est bon, j'arrive! Trouve la pointe de ce burin. Il nous faut sa magie. Des ennemis. J'attends tes ordres. Comment on descend? J'ai un plan. C'est vrai? N'aie pas l'air si surpris. Mon frère, je doute que même Thor, armé de Mjolnir, puisse traverser cette épaisseur de glace. Alors Thor est un idiot. Voilà qui promet du spectacle. Atreus! Je suis prêt. Impressionnant, ce combat. Tiens, attrape. Oh, c'est ce qui s'appelle gâcher une pomme qui était parfaite. Par où es-tu passé? Il n'y a nulle part où se cacher ici. Ah, ça. C'est un petit tour que mon peuple maîtrise, une façon de ne pas s'être vu. Tu peux devenir invisible? En fait, je peux entrer dans le monde qui se trouve entre les royaumes. Et comme ton esprit ne peut comprendre ce qu'il voit, il ne voit rien du tout. C'est comme ça que nous évitons d'avoir à utiliser les armes que nous créons. Mais ça ne marche pas sur les dragons, apparemment. Ton frère se demandait si tu mangeais suffisamment. J'imagine que je peux lui dire que oui. Brock a demandé comment j'allais? Est-ce que son haleine sentait l'hydromel? Tu l'as laissé toucher à ta hache. Allons voir ça. C'est pour ça que Brock était dans le temple juste après la baisse du niveau de l'eau. Il est passé entre les royaumes. Allez, silence maintenant. J'ai besoin